Hello, bonsoir. Comment ça va, tu viens? Coucou Moru. Nice la musique. Oui, c'est une cover du Coffin machin truc là. Ça m'a fait rire donc je l'ai mise. Coucou Ella, coucou Mamie, coucou Nadine, coucou Oscar, coucou Sissi. Alors comme ça on va se faire les ongles? Bah oui. Lol. Comment allez-vous? Est-ce que la rentrée se passe bien? Les sujets qui fâchent toujours. Voilà. La meuf a rien à dire. Ça fait combien de temps que j'ai pas stream? Genre un vrai stream? Ça doit faire 3-4 mois, je sais plus comment on fait. Alors écoutez, je suis contente qu'on soit déjà 4-5. Coucou Claire, comment ça va?
4-5, c'est bien là? Ah oui, les ongles. Bah en vrai, cette mage a l'air pas mal. La rentrée, c'est de la merde. Merci Simette. Bon, et sinon la santé, ça se passe bien, les enfants, tout ça. Je sais pas si vous avez des gosses, mais on s'en fout. Mais vous voyez quoi, les chats, les chiens, les lapins, n'est-ce pas Simette? Alors... Je vais commencer par vous présenter les trois pauvres objets qu'il y a dans le kit. Le rikikikikit. Machin loft là. Que Braise m'a gentiment offert alors que je n'avais rien demandé. Merci Braise. Ça rame. Ça va pas commencer à me faire chier. C'est pas possible. Angie Beauties. du coup, on regarde ces foutus contenus. Alors, je l'ai déjà vu, hein, donc je vais pas vous faire style... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas, hein. Je l'ai vu quand Braise me l'a offert et j'avais pas fait de stream à ce moment-là parce que je n'étais pas très bien. Donc, on va pas faire des streams alors qu'on n'est pas bien, je vois pas l'intérêt. Mes enfants ont grandi, mes mères et mes pères sont adorables et le chien se lâche les couilles. Parfait, mamie. C'est parfait. Les enfants sont à l'école. Ça, est-ce que c'est pas trop bien? Est-ce que t'es pas pépouze, là, Nadine? En mode... Oh! Vous entendez pas la musique, là, en fait? Parce qu'il n'y en a pas, elle est trop faible. Bon, c'est pas grave. Écoutez, vous allez pas me faire chier pour la musique. De toute façon, rien n'est libre de droit. C'est de la merde. Non, c'est pas bien. Ben voilà. Ben, Nadine est tranquille et Lancia garde les chiards de Nadine. Voilà, c'est la vie, hein. T'as choisi ton métier, Lancia, aussi, hein. du coup, machin loft bidule. Je sais plus l'intituler. Est-ce qu'on en aurait pas un peu rien à foutre? Un peu. Ah oui, c'est quoi, ça? C'est le loft, ça? Ouais, ça a l'air d'être le loft. C'est... Ouais, bon, bah, c'est des portes. On va pas... En vrai... Elles sont pas trop mal. J'avais regardé vite fait donc avec Braise, puisqu'elle me l'a offert, je lui ai quand même fait l'honneur de lui faire un stream pour lui montrer mes réactions. C'est pas moche, c'est pas non plus à se taper la tête avec une babouche quoi, en mode « Eh, c'est trop bien, coucou Kiki, comment tu vas ?» Ma lapine va bien. Elle jette sa nourriture et comme elle a jeté sa nourriture par terre, bah elle est pas contente et elle tape du pied. Et si je la regarde, elle fait caca. Ah non, tu la regardes faire caca. D'accord, très bien. Ah, ça a l'air sympa, les lapins. Hein. du coup, on a deux portes. Alors, est-ce qu'on rage un petit peu ou est-ce qu'on est posé aujourd'hui? Non, on va rager. Ces espèces de trous de balles, ils nous ont mis cette fenêtre. Qui est, somme toute, très sympa, vous voyez, hein, y a pas de problème, elle est très bien, cette fenêtre. D'ailleurs, j'aime bien le fait qu'ils aient mis des fenêtres dégueu, comme ça, et qu'ils aient mis aussi la version propre, voilà. Ça, c'est bien, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être des vieux crasse-pouilles, là, comme dans leur... Est-ce que vous m'entendez bien? Ça a l'air trop fort, en fait. Ça a l'air fort par rapport à ma voix, je ne sais pas. Dites-moi, comment ça va, Pierre? J'ai un peu mal au bras avec le vaccin, c'est normal. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Hop. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc cette foutue fenêtre, c'est pas la même que dans la bande-annonce. Voilà, donc ça a fait un scandale, il paraît. Ça a fait un scandale au sein de la communauté. Et alors, ce qui a fait encore plus un scandale, c'est que les gens aient râlé parce que c'était pas le produit qui était censé être là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, ça m'a fait hurler de rire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que cette fenêtre, c'était pas la bonne. Parce qu'en fait, la fenêtre qu'ils ont montrée dans le trailer, elle est censée avoir, je sais pas comment vous dire ça, mais en gros, le coin supérieur est censé être au-dessus, vous voyez, comme si elle était coulissante. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je dis, mais on va dire que vous comprenez. Et donc il y a des gens qui ont dit mais c'est l'arnaque, enfin vous nous dites qu'il y a ça dans le contenu et en fait c'est pas du tout la même fenêtre, gna 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 gna. Et il y a des gens qui ont dit ah mais faut toujours que vous râliez en fait. Alors déjà,
On paye ce machin là pour 3 objets, 5 balles, et en plus on n'aurait pas le droit de râler parce que c'est pas ce qu'ils nous disent qu'il y a dedans. Aïe aïe aïe. Bref, donc ils ont dit, hein, oh oui, tiens, dis donc, c'est rigolo, ça, c'est pas la même fenêtre, mais on va vous la mettre dans une prochaine mise à jour. Ça fait 2 mois qu'il est sorti, leur kit de merde, là. Bah, toujours pas là, la fenêtre qu'ils devaient mettre, hein. Bah, écoutez, je pense qu'on va, on va aller se faire enculer, comme d'habitude. Mais en soi, à la limite, qu'ils nous aient carotte une fenêtre, enfin, qu'ils aient remplacé une fenêtre par une autre, à la limite, je m'en fous, enfin, je m'en fous. Au point où j'en suis, je m'en fous. Mais c'est vraiment la réaction des gens qui m'a effarée. Genre, vous êtes sérieux de clasher les gens qui osent se plaindre de pas avoir ce qui était prévu à la base. Tu sais, c'est comme si tu voulais acheter, je sais pas, une cuisine super bien équipée et que tu te retrouves avec une cuisine sans rien. Enfin, j'en sais rien. C'est, tu commandes une cuisine bleue et ça arrive avec une cuisine grise, t'as pas du tout voulu, qui va pas avec tes murs. Non mais bon. Bah non, mais on n'a pas le droit de râler, après tout. Bah c'est vrai que comme on sait pas faire des jeux vidéo, on n'a pas le droit d'avoir un avis. Voilà, on en est là quoi. Écoutez, les petites lampes, elles sont mignonnes. Globalement, il est pas moche ce kit, mais bon, comme j'ai dit, on va pas se tamponner le cigare avec ça, quoi. Hein. C'est pas... Ah si, le lit est très beau. Voilà. Hein. Le lit est beau. Alors, du coup, il y a plein d'objets. Enfin, plein. On s'entend, hein. Il y a 10 objets. C'est pas le bon truc, ça. D'ailleurs, ça non plus. Ils sont chiants. Ils peuvent pas... Ah, ça m'énerve. Ils peuvent pas séparer les rikikits. C'est pénible, ça. Regardez, je suis obligée de chercher le logo, là. J'ai pas que ça à foutre, moi. Je vais aller me faire les ongles. Putain, enculé de pute. Ah, oups, je dis un gros mot. Je vais être ban. Bah, tant pis. Oh, et ce truc immonde, là, c'est pas possible. On dirait un crâne. Ça va pas du tout... Non, mais ça, c'est pas possible non plus, ça. Ah, les tuyaux, là, ça me... Pff. Ah mais je comprends, c'est trop industriel, oh là là, tout le monde veut ça chez lui. Spoiler, non. Ça c'est pareil, c'est aucun intérêt. Bon après, comme d'habitude, hein, poser là comme ça, comme de la merde, ça ressemble à rien forcément, mais... Voilà un petit aspirateur. Allez, un petit aspirateur. Pardon. Il y a une EA Game Changer. Ouh, bah, ça m'étonne pas, ça. Ils ont dû lui dire... mais tu dois pas dire ça, sinon, en fait, on ne file plus les clés, hein. Enfin, bref. Arrêtez de me parler de Big Mac, les gars. Je vais vous expliquer un peu ma vie, parce que c'est très intéressant, et que vous adorez que je vous raconte ma vie. Arrête de ramer. Arrête de ramer, je vais t'en encastrer une. Merci. Excusez-moi. Donc, je vais vous raconter ma vie, parce que c'est passionnant. Ça fait 2 mois que je respire très mal, depuis fin juin, je crois, et on savait pas ce que j'avais, hein, parce que bah, quand on respire mal, enfin mes examens, vous savez que je suis greffée des poumons, si vous ne le savez pas, bienvenue. Mes examens étaient pas bons, voilà, on va pas se mytho, c'était nul à chier, et j'étais très essoufflée, et on m'a fait plein d'examens de merde qui ne servaient à rien, du style la fibro... La fibroscopie, je vais vous épargner ce que c'est, mais c'est de la merde. Et ils sont censés mettre un tube. Ouais, j'avais dit que je le dirais pas, je le dis quand même. Ils sont censés mettre un tube dans votre bouche pour aller au poumon et prélever des trucs. Et puis pour faire des analyses et pour savoir ce que vous avez. Sauf que j'ai un anticoagulant. Donc ils pouvaient pas faire la biopsie, c'est-à-dire prélever des petits morceaux. Hein. Voilà. Donc ils ont d'abord fait un lavage pour prendre les glaires, je suppose. Et essayer de voir s'il y avait un microbe ou je ne sais quoi. Évidemment, ça n'a rien donné. Ensuite, ils m'ont fait revenir 2 semaines après pour faire une biopsie. Mais avant, il fallait que j'arrête le cardiogique 3 jours. J'espère que vous suivez, hein. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps, là. Donc, ils ont essayé de faire la biopsie. Et ça s'est un petit peu mal passé. C'est-à-dire que j'avais beau essayer de prendre sur moi mon corps. Il a dit, en fait, non.
et j'ai vomi tout ce que j'avais à vomir et même ce que je n'avais plus à vomir. Donc bah ils ont pas pu prélever des morceaux en fait. Ils en ont prélevé un, mais ce n'est pas suffisant pour faire des tests, donc on savait pas ce que j'avais. Ils ont aussi augmenté un de mes médocs diurétiques pour l'hypertension, puisque j'ai encore une hypertension artérielle pulmonaire, mais bon, c'est pas la même qu'avant, mais c'est pas grave. Donc ils ont augmenté le diurétique, ça avait l'air d'aller mieux, mais en fait non, c'était pas mieux. Mais du coup, là, j'y suis retournée mercredi. Et mercredi, ma docteur m'a dit « Bon, bah écoutez, on va pas vous refaire de fibro parce que ça se passe mal et on en a marre de vous traumatiser. Donc, on a un petit peu tout testé, les scanners c'est bon, le cœur va très bien, tout le reste est bon, la prise de sang, tout ce que vous voulez, tout est bon dans le cochon. Il y a que ce souffle de merde qui remonte pas, donc on pense que vous faites un rejet. » Peut-être. Peut-être un rejet, peut-être pas. Ouais, les fibros, il y en a pour tout, les gars. Il y en a pour les estomacs, pour les poumons, pour le cul. Enfin, c'est la fête. C'est beau, ce truc. Voilà, parce que je ne commande pas depuis tout à l'heure, mais c'est beau. J'aime beaucoup les fleurs. Et la petite table aussi, d'ailleurs. Globalement, il est pas si mal, ce kit. Hein. Bon, voilà. Bref. Donc, vous faites peut-être un rejet. Vous allez venir 3 jours chez nous, on va vous faire une cure de cortisone, là. Une bonne cure de cortisone où vous allez gonfler comme ça, ça va être bien. Et puis après, vous rentrerez chez vous, puis on va voir si c'est mieux. Donc j'ai fait mes trois jours, là, de vendredi à dimanche. Je suis rentrée dimanche matin, tout s'est bien passé. C'est par perf, hein, donc c'est pas, on se fait chier, quoi. Bah, en gros, on arrive et puis on dort. Et bah, je pète le feu, donc je pense que je fais un rejet. Je suis pas essoufflée. Vous voyez, là, il y a 2 mois, j'aurais parlé comme ça, je serais... Parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Tout ça pour dire quoi? Ah oui, tout ça pour dire que vous me parlez de McDo alors que je suis en cure de cortisone. Donc si je bouffe le moindre gramme de sel et le moindre gramme de sucre, je prends 20 kilos! Voilà, ça va mieux. Sinon, vous pensez quoi des objets? Excusez-moi, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous revoir, hein. j'adore le lit, voilà. Bon, on va pas rester 100 ans sur un lit, des chaises et des canapés. Donc mon avis sur ce machin, kit, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a de quoi faire. Après, ça vaut toujours pas 5 euros à mes yeux. Mes voisins t'ont entendu, j'ai la fenêtre ouverte. Bonjour les voisins. D'ailleurs, demain, si j'ai la pêche, normalement, oui, parce que ça va un peu mieux là. Je fais live Life is Strange, comment ça s'appelle? Trucolor, avec un super accent. Trucolor, voilà. L'après-midi, donc je sais pas, 14-15 heures. Je fais ça l'après-midi, mais le soir j'ai quelque chose de prévu, du coup c'est pour ça. Merde, j'ai... Oh mais quel gadget. Ça c'est... Ça je... Vraiment non, hein. Non, non, non. Bref. Bon allez, on se casse, on s'arrache la vache là. Je crois qu'il n'y avait pas de sol ni rien parce que c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Si je me trompe en plus. Non, il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de mur. J'ai mangé McDo ce week-end. Connasse. En vrai, j'ai pas envie de McDo donc ça va. J'ai envie de flan. J'ai envie de bouffer du flan, puis que je suis rentrée, je suis là, tu veux pas aller chercher un flan? Donc on essaye de, pas de bien manger, parce que, mais de moins manger, vous voyez. Je mets plus de sucre dans mon thé, c'est la fin du monde. Mais ça va, je survis. Et je pensais que j'allais vraiment gonfler, mais en fait je suis pas si gonflée que ça, ça va. Par contre, quand j'étais à l'hosto, quand je souriais, je sentais que c'était gonflé, je sais pas comment vous expliquer. Mais la cortisone, tu gonfles vraiment parce que j'ai vraiment eu des grosses doses, là, pour dire « Eh oh, faut arrêter de vouloir se débarrasser des poumons qui vous font vivre, madame. C'est une mauvaise idée. » Et du coup, quand je souriais, j'étais dure des joues. Voilà. C'était passionnant. Et un autre truc, dans l'instant cool ma vie, je suis à la piscine. Je sais pas nager, je fais le kangourou dans l'eau pour avancer. C'est trop bien. Voilà, on y va à peu près tous les jeudis.
Et du coup, voilà, je suis la baleine dans l'eau, c'est trop bien. Je vis ma meilleure vie. Il faut jouir des petites choses. Voilà. Soyez heureux. La la la. La la la. Bah, elle est trop belle cette musique. Écoutez, c'est la musique de Twilight au violon. Et à la flûte traversière. Dédicace, Elantia. Coucou Shiro, comment ça va? Ça fait zizir, merci. Merci Shiro. Ça fait zizir. Na, 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 na. Par contre, j'ai changé de voix. C'est-à-dire que je sais pas, je trouve que ma voix a changé. Ce matin, j'ai doublé pour quelqu'un. Et j'étais en mode, mais en fait, j'ai pas la même voix que quand j'ai doublé à l'épisode précédent, il y a 6 mois. Ça va être bien, ça va être bien. Ouais, elle est belle, cette musique. Et du coup, ça, c'est un groupe de coréennes, je crois. Je veux pas me tromper de culture, mais il me semble que ce sont deux coréennes. Donc, il y en a une à la flûte traversière, une au violoncelle. C'est Miss qui m'a fait découvrir. Et elles font plein de covers de ce genre de musique. Bon, on va au spa, là. On n'a pas le temps, nous. On y va avec Victoria et Lulabi. Lulabi qui est enceinte, hein, voilà, spoiler. Elle a eu un petit accident avec Louis pendant qu'elle était chez sa cousine. Et j'ai toujours pas testé le putain de pack à la ferme. Hein. C'est-à-dire que je l'ai installé, je l'ai ouvert pour le stream, j'ai regardé les vaches, elles m'ont regardé, puis j'ai fermé le stream. Voilà. Très productif, comme d'habitude. Par contre, ça a l'air pas mal leur mage, là. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Bon, je vais arrêter de me plaindre. Non, jamais. Ouais, je sais qu'il y a les Jackie, mais c'est pareil, j'ai mis un Jackie, je l'ai regardé, il m'a regardé, et puis j'ai fermé. Je sais pas, j'ai pas accroché. Bah, le truc, c'est que... Non, mais on va pas râler, là, ça fait longtemps que j'ai pas live, on va pas encore râler. Je suis déçue des animaux, je m'attendais à rien, je suis quand même déçue, en fait. Et je savais que ça serait un truc comme ça, mais je sais pas, c'est... Mais... Je comprends pas pourquoi les gens sont en extase devant ça, quoi. Enfin, ils ont fait mieux avec les Sims 3. Alors, je sais que normalement, je compare pas les Sims 3 aux Sims 4, mais... Ils sont capables de faire mieux, et à chaque fois, j'ai l'impression que leur add-ons sont pas finis. La preuve, ils nous font des matchs pour les terminer! C'est incroyable! Bah, ils avaient dit, techniquement, si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi... Ouais, il y a Jackie, mais Jackie, il fait rien. Il reste là devant sa cabane et il attend. C'est super triste. Alors, de temps en temps, il crache sur un renard, mais... Il y aurait tellement eu plus, en fait, à faire avec les Jackie. En plus, c'est... Moi, je suis contente qu'ils aient mis des lamas, mais... Je sature, j'achète plus rien. Oh, bah, tu m'étonnes. Bah, moi, si j'achète, c'est en réduc, hein, parce que... Ah, on va aller dans celui-là, voilà. C'est en réduc parce que, bon, au bout d'un moment, c'est bien gentil de se faire enculer, mais un peu de vaseline, quand même. Je prends en réduc comme ça, je peux m'acheter la vaseline avec. Et il faut boire, c'est important. Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Vous avez eu de l'orage? Franchement, on s'en fout, mais je veux vraiment savoir si vous avez eu de l'orage. Ça a tonné ce matin. J'avais Ecstasy sur les jambes, parce qu'Ecstasy, depuis que je suis rentrée, me colle. C'est un pot de glu, mais tous les trois. Hein, mes trois chats, pot de glu. Et donc, elle dort avec moi souvent, donc contre mes jambes, sur mes jambes. Elle se laisse tomber comme une merde sur mes jambes. Et il y a eu un orage cette nuit, mais vraiment très fort d'un coup. Blam! Et elle a sursauté, la pauvre petite mère. Ah, vous voulez peut-être le lien des dames qui font du violon et de la flûte traversière, là. Est-ce que vous voulez? Je peux vous le retrouver vite fait. Alors, du coup, c'est quoi la mage? Il y a des ongles, j'ai vu. J'ai vu qu'on peut les mettre dans le casse. Ça, c'est cool. Invasion de frelons asiatiques. Bah, c'est sympa, ça! Vénard. Ils peuvent faire du yoga partout. Et les enfants aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de dire quelque chose comme... Pas trop tôt!
il fait chaud. Ouais, non, mais il refait chaud, là. Je déteste l'été. Je déteste. Alors, pourquoi, d'ailleurs, quand je suis allée une semaine à la mer. Oh, j'en ai chié avec le rejet et tout, mais c'est pas grave, c'était super cool. Et il a fait moche tout le temps. Sauf une journée. Une journée où, du coup, on a bronzé avec Ruru et il s'est pas étalé de la crème, donc il était tout rouge. Ah, le bronzage! Le bronzage parfait, les gars. Parfait. Bon, on va essayer de se faire une manucure, là. Jackie, demandez une manucure. Massage des pieds, pédicure. Exigez un... On va se calmer. Vas-y, je veux une manucure. Je veux une... Et Lulabi aussi, elle veut une manucure, là. Non, elle veut une pédicure. Eh, vas-y, fais-moi une pédicure. Non, fais-lui un massage des pieds. Fais-lui un massage des pieds, elle est enceinte. Elle a le droit. Elle a les pieds gonflés. Tu dois prendre soin de ses petits petons. Ah, désolé pour les piétophobes. Hein. Moi, j'ai pas peur des pieds. Alors, c'est intéressant, ça. On ne voit rien. Allez-y, mesdames. Installez-vous. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a... Pourquoi il y a des oiseaux dans le spa? Il se passe quoi encore? C'est quoi ça? Vive l'huile de coude. Fais le ménage, d'accord? En pleine forme. Attends, un baby. Courbaturé à cause des corvées. Zèle perfectionniste, d'accord. Pourquoi il y a des piafs? Blanche-Neige. C'est avec la ferme, d'accord. Mais c'est gentil, mais... Bah, je m'en bats les couilles, en fait. Mais ta mère, le string! Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais y arriver, hein. J'ai plus les touches, moi. Je ne sais plus jouer aux Sims. Ça fait 3 mois que j'ai pas touché. C'est quand qu'il est sorti, la ferme? Oh, mais il n'y a personne pour faire ma manucure! Riii! Ah, mais non, mais il n'y a que lui. Il n'y a que la banquise qui fait les trucs, là. Bon, bah, écoute, hein, détends-toi en attendant ton tour, Victoria. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai demandé une... On est d'accord, je lui ai demandé une putain de... Je lui ai demandé un massage des pieds à ce monsieur. On lui a demandé un massage des pieds, j'ai pas mis ce clic. Qu'est-ce qu'il fait? Mec! Ça, c'est des mains! Ah, les Sims. En vrai, je suis pas énervée. Je suis trop morte de rire. J'aime bien des fois... Genre je suis énervée alors que je suis pas énervée. Mais souvent je suis vraiment énervée. Mais là je suis pas énervée, je suis juste contente. Tout à fait. Je suis contente d'être là, je suis contente d'être avec vous. Bon, tu me l'as fait ce massage des pieds. Connard. Tommy, monsieur, mais c'est ça. Mais pourquoi il s'asseye? Et dégagez ces putains de piafs. Voilà, je suis contente de refaire des lives. Alors je dis pas que j'en ferai tout le temps, parce que bon, hein, vous commencez à me connaître, mais je suis contente. Voilà. Bonsoir. Et des bisous. Et j'espère que tout se passe bien dans vos vies. Et si ça se passe pas bien, dites-vous que plus tard, ça se passera mieux. C'est très cliché comme phrase, hein. Mais c'est vrai. Non, mais il veut pas, en fait. Hein. Raconte un rêve. Oh, putain. Oh, attends. Attends. Faut que je réfléchisse. En plus, j'en ai fait plein là ces derniers temps, mais c'était pas très très joyeux. Ah bah, je peux te raconter un cauchemar si tu veux. Parce que tout le mois d'août, j'ai quasiment pas dormi. Je pense avec le stress, plus bah, le rejet certainement, je ne sais pas. La chaleur, etc. Enfin bref. Du coup, j'ai fait plein de cauchemars, c'était super intéressant. J'en ai fait un où ma mère... Ah oui, alors, il faut que je vous explique. Je n'ai aucun problème avec ma maman. Je l'aime très fort, elle m'aime très fort. Ma famille, globalement, on s'aime, il n'y a pas de problème. Mais dès que je rêve de mes parents, enfin de ma mère, de mon beau-père, de mon frère, de Ruru, et même de mes amis proches, ce sont tous des gros fils de pute. Voilà. Mais c'est important. C'est important que je vous le dise. Ce sont des connards à chaque fois, puisque j'ai peur de l'abandon et que dans mes rêves, ça se retranscrit. Donc, là, j'ai rêvé de ma... Enfin, j'ai cauchemardé de ma mère... qui me disait en gros que j'étais grosse, j'étais moche,
que elle, à mon âge, elle n'était pas comme ça, elle prenait soin d'elle, elle avait un avenir, qu'elle avait fait des études, qu'elle était intelligente, enfin bref, en gros, elle disait que j'étais une sale merde, que je n'avais aucun avenir. Et après, elle m'a regardée et elle me fait « En fait, je regrette que tu sois née. » Allez, on va laisser peser. Le pire, c'est que le lendemain, j'ai vu ma mère pour de vrai. Qu'est-ce qu'on a été faire? Ah bah si, elle m'a emmenée chez le gynéco. Voilà, je vous raconte vraiment toute ma life. Elle m'a gentiment emmenée. Du coup, je lui ai dit « Maman, j'ai encore rêvé de toi. » Elle dit « Ah, j'étais encore horrible. Ah oui. » Ma pauvre maman. Bon bah du coup, je vais me faire foutre pour mon massage de pied, j'ai bien compris. Eh ben, j'aimerais une manucure alors, Daniel Trou de Balle, là. C'est possible, ça? Il est où, gros gal? Oh, mon bébé. Bébé, tu es réquisitionné. Mais qu'est-ce que t'as fait, t'es mouillé? Voilà. Oh, regardez cette petite saucisse. Oh, qu'il est mignon. Oh, il est content d'être là. Bah oui. Attendez. Là, on va un petit peu mieux voir. Voilà. Regardez comme il est content, le bébé. Le bébé, il est content, le bébé. Il bouge pas. T'es vraiment trop gentil, hein. Il se laisse complètement... il essaye même pas, quoi. Hein, chaton? Pauvre bête. Bon, allez, je te laisse tranquille. Aïe, aïe, aïe. Les chats, je vous jure. Ah oui, toujours fan de chips et de la glace. Ça, y a pas de problème. Alors, est-ce que vous voulez que je reste comme ça ou est-ce que je repasse sur l'autre écran? Parce que l'avantage avec celui-là, c'est que la cam est plus grande et le jeu aussi. Mais l'avantage avec l'autre, c'est qu'on voit le chat. Faudrait que je trouve un équilibre des deux, mais c'est un peu compliqué. Du coup, dites-moi ce que vous préférez. Moi, j'aime bien aussi quand on voit le chat, comme ça déjà on voit vos conneries. Et pour la rediff, c'est plus sympa. Bon, remets le chat. Le temps que vous choisissiez, je vais changer de musique. Voilà. Avec le chat. Ok. C'est bardi. Ça, c'est quoi? Ah, ça va être je reviens. Ouais, c'est ça. Be right back. Yes. Yes, bitch. Voilà. Alors, regardez. Qui c'est que cette merde? Sélection d'ongles, ongles courts. Ongles en amande, c'est dégueulasse. Ongles stiletto. Ongles ronds, ongles cercueil. Bah enfin, Chiro, on veut pas savoir. Mais quel dégueulasse celui-là. Et bonne année! Voilà. Alors, ma petite Victoria. Quelle couleur on va lui mettre? Je pense qu'on va partir sur les ongles... Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Pas les griffes, là. Je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour mettre des paillettes, ça. Enfin, je sais pas. C'est pas très... Oh! Mais regardez, c'est les drapeaux des LGBTQ, WHIZ4770+. C'est trop bien. Rose pute. Oui, d'accord, mais la forme. Je veux bien du rose pute. Est-ce qu'il y a le pan? Je crois que c'est celui-là, le pan. On va mettre celui-là à Lulabi. Bref, c'est pas ça que je voulais. Alors, on a donc en cercueil, rond, stiletto. Non, ça va pas être possible, ça. En amande ou court? Ah, le dernier, c'est toutes les formes. Ça? Tu crois?
Grosse pute, les bébés. Pensée jaune, bleu clair et rose. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Celui-là, là. Il me semble. Par contre, les autres, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que... Alors, attendez. On va essayer, hein. Je crois que celui-là, c'est hétéro. Ça, c'est gay. Celui-là, c'est trans. Celui-là, c'est pan. Et je crois que celui-ci, c'est lesbienne. Enfin, ouais, gay fille. Bah, alors, les autres... En amande, d'accord, donc. En amande rose. Le rose violet, là, ou le rose comme ça, ou le rose comme ça. Ils sont pas terribles, les roses, hein. Ah, ça te retourne l'estomac. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, Chiro, bien sûr. Jeanne d'Arc classique, j'ai pas trouvé. Mamie, je viens de voir le screen que t'as fait de Grugal. Oh bah oui, il est ravi, là. du coup, le 1, le 2 ou le 3. Il a l'air trop fort, le 3. Hein. Plus flash. Bon, d'accord. C'est bien parce que c'est toi, Elantia. Hein. Allez, vas-y. Fais-lui les ongles, là. Dépêche-toi. Dépêche-toi, la banquise. Non, c'est pas toi qui l'a fait, mamie, lui. Daniel, la banquise, ou Pierre. Je crois que vous m'aviez fait une famille. Il n'y a pas la couleur tabouret non binaire. Ah bah non, ils sont pas encore assez friendly pour ça. Ils sont pas encore assez ouverts d'esprit. Les oiseaux, va falloir dégager par contre. C'est Pierre, ouais, c'est ça. Toi, t'avais fait, t'avais fait sa femme, il me semble. Alors ? Mais il se passe rien. Allez, la banquise! Insupportable. Qu'est-ce que c'est ça? Mais Ah ouais, la qualité est présente encore une fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour! Moi, je mets... Excusez-moi pour l'accent. Moi, je mets le vernis à ongles à la trouelle. Mais c'est quoi ça? Rien ne va. La taille du flacon, on dirait une poire à lavement. Et puis ça, c'est quoi? Mais elle a même pas d'ongles. Qu'est-ce que tu vas lui barbouiller les doigts? On dirait les miens, on dirait les knackis. J'arrête de gueuler. Oh, c'est tellement beau. Eh ben, t'as du courage, Victoria. Hein, oh, la lime à ongles. Vous savez qu'on a tous un bruit ou une sensation, ou plusieurs même, qui nous fait vraiment crisser des dents. Enfin, qui nous révulse au plus profond de nos êtres. Moi, c'est la putain de lime à ongles. Si je vois quelqu'un... Ah, oh, rien que de... Ah! Vous me dites quand c'est fini? C'est la latin tour du doigt, c'est ça. Mais la lime à ongles sur les doigts, que ce soit les miens ou ceux des autres, le voir ou l'entendre, ça me révulse. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est long, hein. C'est long pour faire trois ongles. Bon, cela dit, en vrai, c'est long aussi, mais... Alors... Attendez, stop. La forme est très jolie. La forme est jolie, l'effet brillant, c'est joli. Mais cette couleur, les mecs, c'est quoi? C'est... Mais ça devrait pas exister, une couleur comme ça! Regardez comme elle est mignonne. Là, tout va bien, genre... Victoria est très mignonne, elle est très belle, elle est douce et... Ah. Non, c'est un mélange entre le... C'est du magenta.
T'as choisi, c'est vous qui avez choisi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est non-binaire celui-là, d'accord. Je crois que t'as inversé lesbienne et LGBT. Oh, j'en sais rien. Ah non, c'est bisexuel. Oh, c'est compliqué. Oui, mon chéri. Le poulet, je crois. Il me semble. Fais ce que tu veux. Quelle beauté. Non, c'est très moche. C'est pas moi qui ai choisi, c'est l'ancien. Vous voulez un drapeau? D'accord. Du coup. Excusez-moi. Ruru a faim. Je veux la manucure, Daniel, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais Lulapi. Oh non. 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 Ça, c'était le frigo. Non, mais... Oui. Oui. Regardez qui est là. Déjà, j'étais en mode... Mais putain, mais elle fait du sport alors qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Et là, je vois... Ce mec... Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il sera là. Jusqu'à la fin, il va nous faire chier. Vous savez qu'il a tenté de pécho Louis? Non, Katia, c'est vrai. Bah, elle est peut-être là, attends, on n'a pas regardé. Souvent, elle est là. Hein. Même quand je joue toute seule, elle est toujours dans un coin tapis dans l'ombre, celle-là aussi. Oh, elle est trop jolie, elle. Ah, mais c'est Sukima. C'est qui? Si jamais tu passes, coucou. Mais c'est Jessica. Elle se fait pas respecter, Jessica, elle a même pas son nom, tu sais. Elle fait la gueule. Ah, ça y est, ils vont au cours de yoga maintenant. Bah écoute, vas-y, toi. On va faire du yoga. On peut pas, il faut parler au bonhomme. Voilà, vas-y. Va au cours de yoga. C'est bon, elle y va. Katia, t'es où? Faudra que je rejoue quand même hein, et que je teste un peu plus la ferme, mais bon. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu la flemme? Alors, il est possible que le docteur soit mort. Il est possible qu'à un moment donné, j'ai tué quelques Sims. un moment, j'en ai eu marre et j'ai dit, ok, tous ces Sims-là, déjà, on vous voit jamais. D'autres, il y en a que je ne pouvais plus voir pour diverses raisons. Et peut-être que le docteur a eu un petit accident parce qu'à force de tuer tout le monde, bah, il s'est fait lui-même descendre. Voilà, vous savez tout. Du coup, on met lequel, les gars? Ah, attendez, là, c'est court. Ah, mais ça a pas l'air très long, hein. On met le pan? Bon, allez, on met le pan. Non, pas l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel de l'amour! Mais je croyais que... L'arc-en-ciel, c'est censé représenter... Les... Oui. Merci, mamie. 19e mois. Je t'aime. L'arc-en-ciel, c'est censé représenter toute la communauté LGBT truc machin plus. Ou c'est censé représenter que les gays. Ou alors les gays ont eux-mêmes leur drapeau. Par gay, j'entends homme-homme. Ou trans-homme-homme. Enfin, vous n'avez pas commencé à me faire chier avec les termes. C'est bon, hein. Déjà, on essaye de s'adapter. Vous avez compris, hein. Bah, je sais pas, je suis en train de me demander, parce que dans ma tête, c'était pour les gays. Mais maintenant que vous le dites, c'est peut-être juste tout le monde. Bah alors, c'est quoi, celui des gays? Attends, tu l'as peut-être mis plus haut, puis j'ai rien compris, comme d'habitude. Il lui a pas fait. Mais elle a rien. Mais j'ai payé 40 euros.
Ah, mais c'est parce qu'elle se barre. Bon, bah. Missyoko, fais ma manucure, s'il te plaît. Quel connard, la banquise, là. Il fait pas son travail jusqu'au bout. Le mec, il part en pause, il a pas fini. Je comptais sur toi. Bah, écoute, je suis aussi paumée. Hein. Il y en a quelques-uns, je sais, mais... ça devient un peu compliqué. Je crois que ça, c'est... Alors, je crois que ça, c'est... Non, attends, tu m'as dit au-dessus Kiki. Ça a trop remonté. Ah non, ils sont là. Alors, donc, le bleu, rose, blanc, rose, bleu, c'est les trans. Le rose, jaune, bleu, c'est les pans sexuels, pans genre, pans romantiques, tout ce que vous voulez. Les pans. Y a pas celui des non-binaires ici, on dirait. Ou alors... Ah si, je crois que c'est celui-là. Celui-là, c'est les non-binaires. Les lesbiennes, ça doit être celui-ci. Les bi, c'est celui-là. Les asexuels, c'est celui-là. Et je crois que le noir et blanc, c'est les hétéros. C'est vraiment compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Je suis désolée, mais c'est compliqué. Je veux dire, même, je pense qu'à moins d'être vraiment à fond dans la commu, c'est compliqué de s'y retrouver. Je veux dire, moi je suis pan et pourtant je suis complètement larguée. Hein. Bon, alors est-ce qu'on va avoir un vrai truc là? Et l'autre, elle fait son yoga ou pas? Mais c'est bien, bichette. Oh, regardez-moi, c'est là. C'est pas braise là? Qu'est-ce que. Ah non. Elle lui ressemble, hein. Donc du coup, Tsukima donne des cours de yoga si ça vous intéresse. Non, mais Iléa, c'est pas possible quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, et du coup, là, on a fait que la manucure, mais il y avait d'autres trucs, je crois. Il y avait pas d'autres trucs? J'ai oublié. Les masques. Ah, c'est où les masques? Il y a peut-être... Ah, je crois qu'il y a des nouvelles inspirations aussi. Attendez, par contre, on va cheat, on va lui remettre ses besoins. Voilà. Dans un frigo petit. Un petit frigo. Une révélation pour la méditation. Oui, bah d'accord, si tu veux. Oui, bah si vous voulez. Oh, mais vous allez pas tous me faire chier. Alors, attends. Censé y avoir des nouveaux trucs là-dedans. Où ça? Pas là-dedans, déjà. Je crois qu'il y a bien-être. Normalement, il y a bien-être, quelque part. Ah. Ah bah voilà. Paix intérieure. Pratiquer la pleine conscience. Chercher la détente. Trouver un environnement paisible. Conserver l'harmonie. Si ça, c'est pas un truc de hippie qui pue. Bisous, chichi. Gourou zen. Réconforter d'autres Sims. Guider d'autres Sims. Partager un thé détox. Devenir une excellente professeure de bien-être, très bien, et spécialiste des soins pour soi. Gagner des simflouzes, obtenir de la notoriété dans le domaine des soins pour soi, travailler régulièrement au spa et fidéliser un client. On peut acheter des spas? C'est dans un frigo nouveau avec les concombres. Ah bah merci les gars, on va aller voir ça. Attends. On peut? Il n'y a pas de fin à ma phrase. Ça y est, j'ai la tête déconnectée. On peut devenir employé du spa? Est-ce qu'on peut en tant que ado? Je ne crois pas. Ce serait bien ça. Trouver petit boulot. Trouver un emploi. Vas-y, montre. Oh, c'est pas possible, c'est piaf. Ça va me saouler.
ça va me saouler. Bon alors, il vient ce vernis. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est qu'appelle? Oh, mais j'ai pas eu le temps de cliquer. Triste. Ah! Nanana, ce rêve bleu! Ça vous a manqué, hein? Ah, mais c'est ça! Oh, les gars! Je suis déçue. Je pensais qu'ils allaient vraiment faire... tout le drapeau sur un ongle. Mais moi, je le fais tous les jours, cette merde! J'ai pas besoin de payer 40 boules! Déçue. Voilà, on va pas se mytho. Je suis déçue. Le dégradé, c'est trop long. Bah ouais, mais c'est trop beau aussi. Tu vas te faire une manucure, c'est pas pour aller faire un truc que tu peux faire toi-même tous les jours, non? Enfin ça, je le fais moi, chez moi. Je le fais alors que j'ai skill 0. Ouais, je suis déçue aussi pour le coup. Je pensais vraiment que... Ouais. Et ça dure combien de temps? Alors, j'ai une question. Est-ce que ça reste sur toutes les tenues? Ou est-ce que c'est de la merde? Est-ce que ça reste jusqu'à ce qu'on les enlève? Ou est-ce que c'est de la merde? Vous savez quoi? On va lui faire changer de tenue, puis on va regarder. Allez, remets ta petite tenue de Lulabi à la ferme, s'il te plaît. Ah bah, je pensais aussi qu'il y aurait un dégradé. Là, c'est juste... c'est des ongles, quoi. Ah! Bon point. Les ongles restent quand tu changes de tenue. Bon bah c'est déjà ça. Hein. On va quand même trouver des bons points parce que... Ouais, ça change pas, ouais. Bah c'est bien ça. Cool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Utiliser pour travailler, d'accord. Ah, on peut travailler comme ça, genre on arrive et on fait ce... Bah les parties, d'accord, très bien. Bon bah, va réviser, hein. Qu'est-ce que je te dise, Victoria? Ça dure pas longtemps. Ah, ça s'enlève. Mais c'est nul. Mais pourquoi ça s'enlève? Ou alors il faut les mettre dans le casse pour que ça reste. Ça reste, pardon, peut-être. Je crois qu'elle peut pas... Qu'est-ce qu'il faut? Oh, bah tiens, il y a Aurélien, là. Oh! Il y a notre femme. Enfin, une de nos femmes. Beaucoup trop de femmes. Oh, je crois que c'est Nana. Oui, c'est Nana. Regardez, c'est Nana. Bon, elle n'est pas là, mais c'est pas grave. Je peux pas me faire masser, je crois, parce que je suis enceinte. Il me semble qu'ils veulent pas me masser si je suis enceinte. Ça, je comprends pas pourquoi, mais bon. La 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 la. Excusez-moi. Ouais, non, je peux pas me faire masser. C'est nul. Bon, bah... Ouais, c'est ça, faut être dans le mode casse pour que ça soit... Bon, au moins, on a moyen de les laisser pour de bon. Pour de bon, quoi. Ça, c'est bien, au moins. C'est quand même pas mal qu'ils aient rajouté ça. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait dès le début, mais si on commence à partir sur ce sujet, je pense... Mais il y a vraiment des piafs dans le spa, en fait. Ça me rend chèvre. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc si on commence à partir sur le pourquoi ils l'ont pas fait dès le début, je pense qu'on n'a pas fini. Donc on va juste être content d'avoir une mage gratuite et qu'ils nous ressortent pas un pack de pack, hein, pour compléter le pack d'avant. Ouais, ouais, vu comme ça. Bah après, Enfin, je sais pas, on peut pas faire des massages en étant sur le dos puis lui masse les épaules, non? Ouais, non. Non, ça se tient, ça se tient, ça se tient, ça va. Et on peut pas faire de yoga? Moi, je veux faire du yoga. Tsukima, je veux faire du yoga. Trop tard. C'est nul.
Ah, de la méditation. Je crois qu'il y a des nouveaux objets d'ailleurs. Mais c'est ça ! Attendez, on va rentrer. Allez, rentre, Lulu. On va rentrer et on va... Et on va voir les nouveaux objets. Oh ouais, le pauvre Pac au travail, ce serait vraiment bien qu'ils améliorent les aliens, qu'ils améliorent les sirènes aussi. Qu'est-ce que ce serait bien. J'aimerais trop des aliens et des sirènes avec le même encadré que les vampires là, avec des trucs de compétences et tout, ce serait énorme. Vous imaginez si les chiens et les chats étaient comme les vaches et les lamas et les poules du pack à la ferme. À l'aide. Aurélien, tu rentres chez toi en peignoir, tout se passe bien? Très bien. Très bien, Aurélien. Comment il se la pète, j'en peux plus. D'ailleurs, Kiki t'a divorcé, normalement, je crois. Ça rame, hein. Incroyable. Et en parlant de rame, faut que j'en rachète, parce que mon PC, il a du mal, là. Bref. Gratte le nez, excusez-moi. Coller à leur niche. Oui, non, c'est ça. Ah. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils allaient retravailler sur les packs maintenant. Bah, tant mieux. S'ils pouvaient nous ajouter des mages pour que les bébés soient plus collés au berceau aussi, qu'on puisse en faire quelque chose de ces pauvres bébés. Parce que franchement, ils sont pas intéressants, là. Mais je crois que c'est ce que veulent les gens. Mais j'ai arrêté de m'intéresser à ce que veulent les gens parce que... soit c'est de la merde, soit bah de toute façon il se passe rien, donc écoutez, pour le moment les Sims je suis en mode bah on verra, ça va comme ça vient, et puis voilà, on se prend plus la tête parce que si on commence à demander, à vouloir et à espérer des choses, on est déçu, donc autant plus rien espérer, comme ça on n'est pas déçu. Ah là 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 là. Merci aux 5 gens qui sont là, ça fait zizir, surtout vu l'heure. En général, les gens, ils mangent et tout. Tiens, mais qui voilà donc? Le croquel. Le croquis d'amour. Oh les bébés. Lui aussi, hein, depuis que je suis rentrée, il me lâche pas. Je sais que tu veux les loups-garous, mamie. Plein de gens veulent les loups-garous. Mais soit ils se pressent pas pour les faire, soit ils trollent complètement et ils les feront jamais. Donc, franchement... Non mais... Grugal me lâche plus. Mais aucun des trois, hein. Ils sont toujours là quelque part où je vais. Je crois que je l'aurais un petit peu manqué. Hein, je t'ai manqué, Bibou. Par contre, je vois plus la moitié de l'écran, là, tu es au courant. Par contre, ça rame, les gars. Vous avez vu comment ça rame? Elle est pas si grande, ma maison. Faut pas... Bon, ok, elle est trop grande. Faut pas abuser. On va regarder les nouveautés. Il me semble qu'il y a des nouveaux trucs de méditation. Mais Grugal, je vois pas l'écran. Riz. Ah bah voilà, il y a plein de nouveaux trucs. Je vois pas avec ton petit cul de chat poilu. Vous le voyez pas, mais il est là, en fait. Juste devant. Il est entre l'écran et le... Et... Mais arrête de me lécher. Et le clavier. Oh là qui voilà, inspecteur Grugal. Oh là le voilà, ouhou. Na, 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 na. Ah, c'est ça le petit frigo dont vous parliez. La 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 la. Point point. Ben, on va aller dans la salle du spa là. Hop. Si ça arrête de laguer un jour. Un jour. C'est incroyable que ça bug autant quand même. Mais j'ai pas payé pour ça, hein. Bon, j'ai pas payé, vous me direz, mais... On va enlever cette table. Et puis là, le... C'est bien qu'ils aient rajouté des sièges parce que... Bonjour, quoi. Oh, il est trop beau, celui-ci. Waouh. Waouh, c'est trop beau. Mais Grugal, tu n'es pas invisible. Voilà, donc là, il s'est relevé. Bonjour, c'est la queue de Grugal. Mais oui, bien. Et la tête. Vous voyez pas sa tête de con? Viens là. Oujou. Voilà. Ça va? Bonjour, c'est moi, Grugal.
Ronronne, mon bébé. T'es heureux, là? Bah oui, hein. Heureux. Allez, du balai, parce que bon, pas que ça à faire, nous. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ils sont mignons, les nouveaux trucs, là. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. J'aime. J'aime, j'aime tes yeux. J'aime. Sensualité. Est-ce que c'est des étagères où on peut rien mettre dessus comme le reste, ou est-ce qu'on peut mettre des trucs dessus? Objet essentiel. Ah, on peut mettre des trucs dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi comme couleur? Je regarde même pas les couleurs, donc je suis en mode bas les couilles. Ok, ouais, bon. C'est pas très... Mais, c'est pas très beau. Oh là 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 là. Bon, de toute façon, c'est pas important non plus. Des tapis de yoga de prof. Pardon, d'accord. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, ok. Ah, ok. Ah, c'est bien ça. En fait, c'est pour que vous mettiez les tapis. Bon, je pense que vous avez compris, mais je vais quand même l'expliquer. C'est pour que vous mettiez les tapis des élèves en face et que le mec fasse cours, c'est cool. Tapis de yoga parfait. C'est ça, oui. Ils sont mignons, les nouveaux tapis, là. Très jolis. Et les petits coussins de méditation. Et ça, c'est trop, trop mignon. Regardez ça. Oui, j'enlève la grille. La grille, le bilan. Ça va. On n'a pas élevé les cochons. Bon. Ouais, bon, en soi, c'est déjà des poufs qu'on a, plus ou moins, et en plus petit. Bon, ben, c'est cool. Alors, je vais lui mettre un masque à Lulu. Ensuite, on va dans le casse voir les ongles. Et après, on s'arrêtera là, parce que j'ai faim et quelqu'un m'attend. Voilà. Si ça veut bien. Préparer un grand repas, machin, cuisiner ensemble. Voilà. Masque pour le visage. Acheter et appliquer. Allez, c'est parti. C'est vrai, tu veux que je parle de mon deuxième tatouage? Écoute, il est là. Voilà, donc cette action aura des conséquences, n'est-ce pas? Il est très beau d'ailleurs. Alors là, on ne voit rien, mais... Bah, démerdez-vous, voilà. Imaginez. Et j'y suis là aussi. Il faut vraiment que je retourne à... Que je retourne au tatoueur parce qu'il a 4 ans. Et je pense que je vais lui demander de le repasser... Pour le remettre un petit peu plus noir et bien le relisser, ce sera cool. Ça s'était bien passé, ma cicatrisation. Mais, comme je viens de faire une cure de cortisone, c'est-à-dire que ça a détruit toutes mes défenses immunitaires, là, donc si je sors dehors, je chope tout ce qui passe, j'ai évité d'y aller tout de suite. Même si j'ai quand même confiance en mon corps, mais je veux pas non plus tenter... Qu'est-ce qu'on prend? J'ai lu antivirus. Alors, masque d'or, masque hydratant... On veut le plus cher, nous. On veut le plus cher qui sert à rien. N'importe quoi. Allez, le masque en or, parce qu'on sait pas quoi faire de notre thune. Vas-y. Vas-y, Lulu, fais-nous rêver. Eh, mais... Les oiseaux, honnêtement, on peut pas les désactiver. Ça va vraiment me gonfler. Genre, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Et puis comment tu fais des screens avec cette merde? Si t'as des oiseaux et des paillettes toutes les 5 minutes sur... Oh mon dieu. Lulabi, tu... Tu voulais pas enlever ton maquillage avant de mettre un masque? Je sais que là, on jette l'argent par les fenêtres, mais quand même. Même moi qui fais jamais de masque, je sais qu'il faut se démaquiller à la base. Oh mon dieu, puis je sais pas, on dirait que... Non mais rien ne va, en fait. T'es contente avec ça? Ah bah oui, elle a l'air contente. Hein. Ah là là, Cascaios, oui, belle. Regardez ça.
Oh, je suis tellement bonne. Ah, j'ai un peu envie de gerber aussi. Ok. Eh ben, c'est super. Les oiseaux, vraiment. Ça va pas le faire. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas une option de merde de gameplay ou je ne sais pas quoi pour désactiver cette daube? Ah! Non, bah c'est pas ça que je veux. Les effets associés à la poussière, je m'en fous. L'empreinte écologique, je m'en fous. C'est pas ça, ça a pas de rapport. Oh, non mais c'est une blague. Et je vais péter un câble. Je vais cramer des culs, moi. Non, sérieusement, on peut pas enlever ces putains d'oiseaux de merde? Ils viennent d'où? Ils sont là pourquoi? C'est un trait de terrain, c'est quoi? C'est d'où? C'est pourquoi? Comment? Quand? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième trimestre. Oh, un chien! Coucou le chien! Pourquoi? Pourquoi des piafs tout le temps? Donc elle est contente, elle a son masque, elle a des oiseaux qui volent autour, très bien. C'est insupportable! Ces putains de piafs là! Qu'est-ce que j'avais dit que je regarderais? Ah oui, les ongles! Miroir! Miroir magique au mur! Qui est la beauté parfaite pour boire du soda? Faire une activité ludique. Bah, fais une activité ludique. Mais je m'en fous, vis ta vie. Oh, puis si tu veux rater tes études, rate tes études. On n'est plus à ça près, de toute façon. Alors. On va y arriver. Et prévoir une tenue. On va regarder un petit peu les ongles. J'ai un petit peu triché, j'ai regardé tout à l'heure avant de lancer le live. Mais j'ai pas tout vu. Vous êtes toujours là dans le chat? Miaou. Non mais le screen que t'as pris de gros gars, c'est magique, mamie. Pauvre chat. On dirait qu'il est au bout de sa vie. Ah ouais, vous voyez dans le casque, ils sont plus là les ongles. Alors, il me semble que c'est là-dedans. Par contre, je suis excessivement déçue des ongles de pied. C'est quoi ça? Ah oui, alors faut que j'enlève les chaussures en plus. Non mais en vrai, ils ont absolument pas retravaillé le modelage du pied. C'est juste super moche. Regardez, c'est moche. Bon déjà, là-bas, je trouve que le vernis sur les pieds, c'est moche. Je sais, il y en a plein qui vont dire « Mais les pieds, c'est moche !» Mais c'est pas le débat, ok? Déjà, le vernis sur les pieds, c'est pas ouf, mais là, c'est raté en plus. Cela dit, on va essayer de pimper quand même. Avec une petite paire de sandales, bah, c'est tout aussi moche, mais un peu moins. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais Oscar aussi, tu m'as pris un scream. La tête du chat, mon pauvre bébé. Bah, il aime ça, ce chat, il aime ça. Bon, je voulais remettre les petites chaussures de parce qu'elles sont vraiment jolies. Voilà. Hop là, je sais même plus quelle couleur j'avais mise, comme ça il me semble. Bref, du coup les ongles. Mais pourquoi il y a plein de nouveaux trucs là? La 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 la. Oh mais c'est pas des nouveaux trucs ça. Qu'est-ce que c'est que ces arnaques? La la. Ah si, ça c'est quoi? C'est nouveau? C'est pas très beau. Qui c'est que cette merde? C'était gratuit? Bah on comprend pourquoi. Mauvaise foi, Lupina, mauvaise foi. Ouais, ça va, c'est... Non, mais c'est cool. Cool, ouais. C'est bien, hein. C'est quoi, ça? Oh, oh là là, oh là là là. Oh, ça va. Oh, ça va si bien. Je vais arrêter de faire n'importe quoi. Pardon, je baillais. Hop, du coup, pouit pouit. Bah, et ça me dit qu'il y a des nouvelles chaussettes et quand je clique, il n'y a rien. Ou alors c'est pour les mecs. Ben non, mais il n'y a rien là. Vous voyez l'étoile, vous, Chmiro? Ça casse les couilles, hein. Bon, tant pis. Et en robe, il y a quoi de nouveau?
peuvent pas nous le mettre direct. Ah, mais c'est tout ce bordel-là, mais je m'en bats les reins, moi. Bon, ok, aucun intérêt. Alors, du coup, les ongles. Ah, ça, c'est bien. Ils ont zoomé dessus. C'est très bien. Vous êtes toujours là, les enfants? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors là, c'est effet knacky. Ah, mais c'est bien, ils font un petit effet. Il y a de l'ongle, tu vois. Si tu les enlèves, ça fait juste... on a des knacky. Et là, on a des knacky, mais avec des ongles. Ça, c'est... Ça va pas être possible, ça. Oh, oh, c'est immonde. Oh là 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 là. C'est des ongles ou des griffes? Oh, je trouve ça moche, mais moche. Je sais que c'est la mode, ce genre d'ongles. Mais alors... Oh, chacun ses goûts, mais je préfère les miens. Ça, c'est stylé, mais j'aime toujours pas la forme. Comment elles font pour pas se crever la gueule? Bon, c'est con comme... c'est con comme réflexion, parce que c'est une question d'habitude, mais franchement... Ah, GG, hein. Moi, déjà, quand y a un millimètre de trop, je me prends partout. En même temps, je suis pas douée. Mais ça va, c'est joli, les petites perles. Ah, ça, c'est très ethnique, hein. C'est très moche. J'aime pas du tout. Oh, non. Oh. Oh, non, c'est... Oh, c'est vilain. Non, mais même en bleu, pourtant, vous savez au combien j'aime le bleu, c'est... J'aime pas le motif, en fait. On dirait pas un vernis. On dirait qu'elle a pris du papier peint pour qu'elle se l'ait collé sur les doigts. Après, par contre, IRL, ça doit être très dur à faire, ça. Ouais, non, j'aime pas. On va pas tergiverser, j'aime pas, j'aime pas. Ça, c'est joli. Bon, bah, c'est simple, après, mais... Oh, les couleurs. Oh, vous auriez pu faire un effort sur les couleurs, les mecs. Et pourquoi on n'a pas, comme le maquillage, à pouvoir choisir nous-mêmes la couleur? Alors, autant... autant qu'ils aient pré-def les couleurs pour quand tu vas demander une manucure à quelqu'un. Ok, je dis pas. Mais là, dans le casse, pourquoi on peut pas faire comme les rouges à lèvres et tout? En fait, les Sims, ils avancent d'un pas et reculent de 5 à chaque fois. C'est fatigant. Alors ça, c'est le même, mais mat. Oh, mais cette couleur, c'est pas possible. Ça devrait être interdit. Et le jaune moutarde citron, là, c'est pareil. Ça va à qui, ça? Ça va à personne! Peut-être à quelqu'un de noir, et encore, hein, faut peut-être arrêter de mettre n'importe quoi aussi sur les noirs sous prétexte que ça va. Parce que des fois, ça va pas du tout, hein. Oh, mais c'est pareil, ça! Mais qui met ça? C'est dégueulasse! Oh là 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 là, quel massacre. Ouais... Bah ça c'est pareil, c'est, je sais pas, c'est joli, mais ça c'est le genre de truc qui est joli en vrai, mais là c'est pas ouf. Hein. Bon, peut-être que lui la vie a pas la tenue adaptée non plus, ça n'aide pas, mais... C'est ça les ongles en amande, il me semble. Hein. Bah ça va, en fait c'est pas si mal. Ils sont plutôt jolis, eux, mais c'est pareil, c'est encore les mêmes couleurs. Ouais, bon bah on a fait le tour. Hein. Et donc ça c'est très beau. C'est très beau, mais pareil, jamais j'aimais ça, moi. Par contre, pour faire une bitch, là t'es bien. Ou une star, ou je sais pas quoi. Ah, regardez, mes chéris, aujourd'hui j'ai fait ma nouvelle manucure. J'ai mis mes prothèses ongulaires. Ah oui, oui, oui. J'espère que vous aimez trop ma review. J'ai mis du jaune citron pour aller avec ma robe. J'espère que vous kiffez les piou-piou. Oh mon dieu. Faut que je fasse une vidéo avec Stella. Stella et ses ongles. Et donc là, on a tous les LGBT, mais franchement, j'avais pas reconnu quoi. Enfin, il est beau celui-là par contre. Je sais pas ce que ça représente, mais c'est beau. Tu fais comment pour écrire sur l'ordi? Ben, je ne sais pas. Je pense que t'appuies avec l'ongle. Ou alors tu mets bien tes doigts à plat et. Mais ça croche. Mais sur les trucs de. D'ordinateur portable, ça croche la touche et ça te la chouic. Eh ben c'est bien si tu veux nettoyer ton clavier. Hop, je claque. J'arrête de dire de la merde. Ouais, non, mais... Franchement, si j'avais pas...
si j'avais pas vu que c'était des trucs LGBT plus dans la manucure, j'aurais pas fait le rapprochement. Hein. J'aurais pas du tout fait le rapprochement de les couleurs des drapeaux. C'est con parce que c'est joli après, mais bah du coup tu dis pas que c'est le drapeau quoi. Brézounette, comment tu vas? Merci, 20 mois, bravo. Bravo. Bah c'est la fin du live malheureusement. Regarde ces super ongles, là ceux-là ils sont courts. Bon écoutez, qu'est-ce qu'on va lui mettre à la petite Lulu? On va lui mettre du rouge hein, parce que bah, c'est beau. Voilà, on va pas chercher à faire plus qu'il ne faut. Voilà. C'est la fin, non? Si. Et à la base, à Victoria, je voulais mettre du bleu avant que vous lui infligiez cette horreur d'ongles. Violet fluo, là. Du coup, elle aura du bleu. Voilà. Je sais pas, j'aime bien. Cherchez pas, m'engrainer. Bah non, j'attends pas Brest parce que j'ai des choses à faire ce soir, c'est pour ça. Déjà, j'ai pas fait cet après-midi pour essayer d'avoir un petit peu de monde quand même, parce que le faire toute seule, bah c'est cool, mais ça sert à rien du coup, de live toute seule. Bon, y aurait eu Mamie et Oscar. Moi, j'aurais pas été toute seule, en fait. Bref, j'ai attendu un peu, hein. J'ai attendu un peu, mais je ne pouvais pas attendre plus. Voilà. Oui, mais Mamie, c'est parce que t'es ma femme aussi. Mais je vous aime tous. Voilà. Arrête, elle va encore être jalouse et tout. Et puis après, c'est triste. La connasse. Bah voilà, voilà, je me prends une connasse dans la gueule alors que j'ai rien demandé. Non, merci beaucoup pour les réabonnements. Merci d'être viendu. Je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Il y aura la rediff de demain sur YouTube et puis voilà. Et puis, bah, merci les enfants. Des bisous sur vos petites fesses et vos petites joues et puis, bah... Salut.